Je vais voir si madame est là parce qu'elle est restée à la voiture. Ah, si, j'ai vu quand même. Tu l'as vu? Ouais, je vais voir. Ouais. On retrouve ici les concurrents qui ont décidé de lancer la bagarre de départ avec l'information du lieu de vous années. C'est ce qui le compte, me semble-t-il. Qu'on retrouve en vol positivement le concurrent de la formation du lieu de vous années, Patrick Villard, qui est également au même poste. On retrouve là également. Avec la formation du lieu de vous années, c'est qui le compte, me semble-t-il, qu'on retrouve en vol position le concurrent de la formation du lieu de vous années, la plus bizarre est également au même poste. On retrouve également dans ce groupe Fabrice de Donge, on retrouve également dans ce groupe le 259 de Thibaut Jeunesse, dans la formation du Brest Hero Cycling de 2000, alors qu'ici deux autres Thierry Massé, 5 tours de l'arrivée, messieurs les quoi. 5 tours alors que Thierry Gallet sort également à son tour pour aller chercher de belles plaques à la couette, qui tente de revenir également, Henrik Filien qui ferme la marche de ce groupe à 5 tours de l'arrivée. Le devant Mathieu Genève, Romain Colisa, Kawan qui en va hors et Gabon Brel. Je suis toujours encouragé. Daniel Barry, Daniel Simon, 4 tours de l'arrivée en 35 secondes. Allez, Gwen. Ancien double vainqueur de la ronde ministérienne qu'on retrouvait là donc au rang le tour supplémentaire de la ronde ministérienne qu'on retrouvait là supplémentaire à faire en attendant. Ici c'est Stéphane Massé qui emmène devant Cécile Le Fourbe qui vit le club de Plouzanet. Avec ici Romain Noblet de la formation du Moulin Cycloclub Pays des Avennes. 4 tours de l'arrivée, messieurs les coureurs. Mathieu Jeunesse
Stéphane Ravel, Erwan Guy en marche et Yann Botrel. Voilà l'ordre de passage des 5 concurrents et ce à 3 tours pour Gwendal Simon et Daniel Barry. Et ce donc à 3 tours de l'arrivée. Allez, on va les encourager pour leur permettre peut-être de revenir sur les 50 de tête. Daniel Barry, le néo-zélandais, Gwendal Simon, l'homme des vrais Sirois, Cyclis de la Ville, retourne donc à 3 tours. Alors bien entendu, les coureurs doublés feront le tour supplémentaire. Les coureurs doublés feront le tour supplémentaire. Les deux hommes qui sont en contre-attaque, on leur rappelle l'étape du Tour du Lion, vainqueur Avignon, deuxième à Plouzaniel, troisième à Glengat, vainqueur à Trémévin le 13 juin, vainqueur à Brest-Saint-Pierre le 15 juin, vainqueur à Courin le 19 juin, l'homme de la formation de l'UFC Espoir Quimper, qui est en contre-attaque avec le sociétaire de la formation du Brest-Tirois Cyclisme 2000, Gwendal Simon. Stéphane Ravaleux, Erwan Guy en marche et le coureur Yann Botrel. Voilà les deux hommes sur les 5 derniers kilomètres avec vos applaudissements s'il vous plaît. Avec Kerwantan de la formation de l'OC Landerneau qui accélère. Avec également une Bourgalaise, avec Paul Gratel, avec Nicolas Dautrou. Les concurrents doublés, un tour à faire en plus. Qui sur ce même circuit du Trino. Et Semino Dion avec Stéphane Massé maintenant avec. Maxime Ménez qui passait là en troisième position pour le sociétaire de la formation de l'école cycliste de Landerneau et ce donc à deux tours. Pas de la flotte avec une attaque de Maxime Ménez qui en se civilement par Stéphane Ravaleux et Kiroan qui en marche. Roland Poulizac avec quel autre accès d'épreuve de Guilherme Tidour. Dimanche pour l'ancien provisionnel de la Française des Jeux. Et on se retrouvera également le vendredi 9 juillet du côté de Landerneau pour le circuit du stade. Dernier tour pour vous également, messieurs Corabès qui emmenaient ce petit groupe de contre à deuxième position. On retrouvait Maxime Ménez en troisième position. Dernier tour pour vous, messieurs. Thomas, qui va venir remporter cette épreuve. L'homme de Marina, Côte d'Armor, Mathieu Jeunesse devant. Stéphane Ravaleux en troisième position. On verra avec Daniel Barry, le néo-zélandais de la formation, le Semi Espoir Quimper et Gwendal Simon du Brest-Tirois Cyclisme 2000. Les coureurs blés pour le tour supplémentaire, s'il vous plaît. Dernier tour également, donc maintenant, un tour de l'arrivée. C'est l'arrivée maintenant ici. Les concurrents doublés pour le tour supplémentaire, s'il vous plaît. Les concurrents doublés, un tour à faire encore. Concurrents doublés, un tour à faire. Ils se battent pour de belles places d'honneur également. Avec Thomas Gattel qui passe devant Maxime Ménez, Jean-Marc Mével, Tanguy Le Fourne.